projet, particulièrement ce projet-là, ça parle de la migration des femmes de l'Amérique latine. Je viens d'Argentine. Je suis colombienne. Je suis argentine. C'est pour ça que, bon, on a travaillé ensemble aussi parce qu'on avait envie de parler de notre vécu de migration. Donc, on voulait un peu montrer un peu notre culture, mais ça, comment on la sent et comment on la vit, que c'est pas peut-être que stéréotypé, mais on voulait aussi montrer les stéréotypes parce que ça les regarde de les autres par rapport à nous en tant que femmes migrantes ici en France, par exemple, en tant que danseuses surtout. Muchacho plástico, de esos que ves por ahí, con la penilla en la mano y cara de yo no fui. On n'est pas un objet de décoration, on n'est pas animatrice en tant que quelque chose qui va te faire enlever de ta chaise. Tu vas t'enlever de ta chaise si tu te sens attiré pour ça qu'on fait, mais pas parce que je dois t'entretenir. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est un peu cette idée. Oui, je pense qu'il y a un mélange de différentes expériences qu'on a pas mal utilisé pour nous inspirer, ouais. Et donc, l'espace artistique, pour nous, c'était la possibilité de prendre la parole et de parler vraiment à partir de l'art, de ce qui est la vérité, c'est quoi la réalité d'une femme émigrée, enfin, en France, en Amérique latine. Et donc, à partir de ça, ce qui est le thème qu'on a développé, bon, c'est penser de quelle façon la migration peut laisser dans la mémoire corporelle de chacune, dans la mémoire artistique de chacune, des traces. Mais l'idée à la base, c'est ça. C'est faire un mélange entre l'art, la politique, le discours politique, mais le discours artistique aussi. Pour parler des choses qu'on ne parle pas, tu sais. Ouais. Soy alma desaforada.